Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo haul. Donc c'est un haul solde ou pas, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que des produits soldés, il y a aussi des produits qu'on m'a offerts à Noël ou des produits que ma maman a reçus puisqu'elle est rédactrice en chef d'un magazine culturel et elle a une rubrique beauté, donc elle reçoit régulièrement des produits de différentes marques, dont des marques, dont une nouvelle marque hein, que je connaissais pas, mais aussi des marques qui sont très connues. Donc je vous ferai régulièrement des hauls avec les petites nouveautés que j'ai reçues. Alors, je vais commencer tout de suite et je vais commencer par les produits que j'ai eus à Noël. Donc, je vais commencer par un vernis de chez Dior, donc que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, donc qui est le Marilyn, qui est la correction durifique. Donc, je crois que c'est une édition limitée de Noël. J'avais eu aussi le rouge à lèvres qui allait avec, que je dois changer. Il tient pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, il tient pas. Je l'ai mis genre un dimanche soir et le mardi il était déjà tout écaillé. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, enfin ma maman a reçu de chez Shiseido un rouge à lèvres et un highlighter. Donc le rouge à lèvres, c'est le RD346 qui se présente comme ça et qui est magnifique. Super tenue, la couleur est magnifique, c'est dans les tons orangés, c'est tout à fait le genre de couleur. Donc elle avait reçu plusieurs choses, j'ai fait un choix, hein. Je vais pas, déjà parce qu'elle en garde pour elle, et puis je vois pas l'intérêt de prendre des couleurs qui me vont pas du tout à moi, quoi. Et ce superbe highlighter, donc le packaging est super, et c'est le P407, c'est le Luminizing Satin Face Color. Donc celui-ci, pareil, elle l'avait reçu, il est vraiment super. Toujours dans les produits que ma maman a reçus, donc Anne-Marie Borling, donc ça c'est une marque allemande que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un gel douche que je vais essayer dès que mon gel douche actuel sera terminé. Enfin bon, ça va très vite. Ça sent super bon. Par contre, j'ai impossible de définir la senteur et puis alors j'ai regardé et ça sent super bon. Ça sent. Voilà, alors comme ça, comme le packaging est violet, j'aurais dit violette. Non, 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 je crois pas. Pas mal. L'odeur est pas mal, donc je verrai ce que ça donne. Donc des nouveaux produits, c'est une marque allemande, Anne-Marie Borling. Ensuite, dans les produits que j'ai reçus à Noël, donc ça c'est ma meilleure amie qui m'a offert ça, hein, qui sait que je suis cosmétique addict, et elle m'a offert un super lot, donc avec le gros shampoing et le conditionneur en taille professionnelle de Chou et Moura. Donc Chou et Moura, moi c'est une marque que j'adore et j'étais partie à Marrakech avec elle en début d'année et elle avait amené plein d'échantillons Chou et Moura parce que sa maman est coiffeuse et j'avais adoré, j'avais trouvé ça super. Ça fait des cheveux d'enfer, donc je suis super contente de l'avoir. Merci, merci, merci. Elle se reconnaîtra. Donc après, sinon, je suis allée à la boutique du coiffeur il n'y a pas très longtemps, donc ça, c'était pas soldé, mais je cherchais un démêlant parce que depuis que j'ai refait mes mèches récemment, j'ai les cheveux. Donc là, mes cheveux paraissent un petit peu dorés, mais ils sont beaucoup plus clairs en fait, à la lumière naturelle. Et j'ai vachement de mal à les démêler. Donc je suis allée en boutique du coiffeur et il m'a conseillé ce baume, enfin ce spray démêlant. Et il est pas mal du tout. J'ai déjà essayé, hein, vous voyez, hein, ça a déjà descendu. Il est biphasé et honnêtement, il est pas mal du tout. Donc pour les filles qui, comme moi, ont des problèmes de démêlage sur les cheveux secs, parce qu'en même temps, il répare, il s'appelle Repair Rescue, donc de Schwarzkopf. Et honnêtement, il est super. Donc c'est les produits Schwarzkopf Professional qui se trouvent uniquement en boutique du coiffeur. Ensuite, je suis allée faire les soldes. Là, j'ai été chez Body Shop. J'étais en deux fois, donc j'avais un bon cadeau, puis j'avais des remises. La première chose, j'ai voulu essayer Rainforest Moisture. Donc, c'est une gamme avec shampoing, après shampoing, masque et puis un petit peigne dedans. Donc, ça se présente comme ça, c'est un petit kit. Donc, je trouve ça, c'est pas mal. Quand on veut tester un shampoing et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter tout de suite la grande taille, puisque quand je vais vous dire le prix, vous allez juste halluciner.
Je trouve que c'est pas mal. Et puis c'est pas mal aussi quand on part, on a décidé de partir, on sait qu'on va partir en voyage. Donc je trouve ça pas mal d'emmener des petits formats comme ça en voyage. Donc là, vous avez le masque. Donc, et en plus, vous avez un petit pain démêloir dedans. Et j'ai payé ça soldé. Je crois que c'était à 6 euros le petit kit. Donc j'essayerai, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà. Donc le Rainforest Moisture, donc chez The Body Shop. À 6 euros. Donc sans silicone, sans colorant, sans parabène pour cheveux secs. Donc totalement ce qu'il me faut actuellement. Ensuite, toujours en termes de body, The Body Shop, je suis allée au stock à 3 parce que j'ai fait les soldes mode à 3 avec ma maman et on est passé donc chez The Body Shop et donc j'ai acheté la mousse puisque j'avais plus ma mousse Kiko était finie, la Sanoflore donc était terminée aussi. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer la The Body Shop. Donc j'ai essayé, j'ai pris celle à l'arbre à thé et donc je l'ai déjà essayé. Ça fait quelques jours que je l'utilise, elle est pas mal du tout. Le rendu sur la peau est vraiment pas mal, on a l'impression vraiment frais. Par contre, elle a une odeur très spéciale, elle sent le Vicks Vaporub. Donc je ne sais pas si vous soyez, vous connaissez un peu l'odeur de ce produit. Le truc qui vous dégage tout de suite les sinus. Donc trêve de plaisanterie, il est vraiment top et il sent vraiment le frais. Donc voilà. Alors du coup, j'avais reçu un bon chez moi. Je suis retournée chez The Body Shop et j'ai acheté donc en solde. J'ai acheté un petit kit dans lequel vous aviez un beurre corporel et un petit gel douche en format voyage. C'était à 4,80€ avec une fleur de douche. Donc moi, j'ai pas acheté pour la fleur de douche parce que personnellement, je m'en sers pas du tout. Par contre, pour l'odeur, ça sent super bon. Et je trouve que les petits formats voyage comme ça, c'est super pratique déjà pour tester hein, et puis pour partir en week-end. Donc là, c'est vraiment top. Et du coup, il y avait aussi la brume qui était en promo. La brume au même senteur, ça sent super bon, je la rachèterai. Je la rachèterai, elle sent trop trop bon. Je l'ai fait sentir à mon amoureux et il adore aussi. Et toujours chez The Body Shop, donc ça c'était pas en solde, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a à peu près un mois je pense, qui est vraiment top. C'est parce que j'ai la peau très desséchée à cause de mon traitement Roaccutane et du coup j'ai acheté la vitamine E de The Body Shop qui est absolument super. Et par contre ça c'était pas soldé et, mais c'était vraiment sympa. J'ai acheté aussi chez The Body Shop hein, parce que forcément pas cher plus pas cher égale cher. Non, je crois que j'ai dû en avoir parce que j'avais un bon, j'ai dû en avoir pour 30 euros en tout, quelque chose comme ça. Et donc il y avait ceci qui n'était pas soldé mais qui je trouvais en poudre illuminatrice, c'était vraiment sympa. Donc ça s'appelle Shimmer Waves, donc vague de lumière. Donc c'est un blush dans les nuances de rose mais qui est vraiment irisé comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas mal, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les joues et je trouve qu'il est vraiment très joli. Je l'ai essayé d'ailleurs sur une de mes copines samedi soir parce qu'on sortait et je l'ai maquillée et c'est vraiment sympa. Ensuite en solde chez Sephora, j'ai acheté un kit qui s'appelle le kit cool. Alors je suis désolée, j'ai pas gardé l'emballage, mais dans ce kit cool qui était soldé je crois à moins 70%, qui donc est revenu à 10 euros. Vous aviez un gloss donc dans le kit de Bare Minerals. Vous aviez un gloss donc qui est comme ça. Donc moi je trouve qu'il est vraiment très sympa, un peu flashy comme ça. Vous aviez la Prime Time donc dont je me suis servi pour mon dernier tutoriel qui est vraiment pas mal. Vous aviez un crayon donc violet, moi qui va très très bien avec mes yeux puisque j'ai les yeux verts. Hein. Donc tous ces kits Bare Minerals, il y en avait plusieurs qui étaient soldés. Il n'y avait pas que cette teinte-là, mais moi j'ai choisi cette teinte-là parce que j'ai les yeux verts. Et il y avait un mini blush, donc c'était un Rarest Rose. Donc voilà. Et en français, Rarest Rose. Et donc, il se présente comme ça. Alors, c'est un petit peu chiant parce que c'est les anciens packaging. Je pense que c'est pour ça que c'était soldé. Puisque maintenant, chez Bare Minerals, vous avez le petit double embout qui vous permet de refermer et donc de pouvoir le transporter. Parce que là, du coup, dès qu'on le transporte, il y a toute la poudre qui se met dans le couvercle. Et puis, il y avait aussi une petite ombre à paupières qui a l'air très très jolie et que j'ai pas encore utilisée qui s'appelle Velvet Charcoal. Donc, en fait, un gris noir un peu...
mais qui est très très sympa et donc que je vais essayer très prochainement. Ma mère avait reçu également donc de chez Bourjois un super stylo que j'ai vachement utilisé ces derniers temps, le Contour Clubbing Waterproof donc de chez Bourjois et c'est la couleur Purple Night et franchement il est super. Il est pour les filles qui aiment beaucoup les maquillages violets, hein, n'hésitez pas à acheter ce petit stylo parce qu'il est vraiment il est vraiment super, il tient super bien. Enfin moi il tient toute la journée. Et enfin, toujours en solde, j'ai acheté un kit parce que là, j'ai vraiment pas pu résister parce que dedans, il y avait un rouge à lèvres que j'aime beaucoup de chez Make Up For Ever, qui est donc le kit Perfect Red Lips. C'est dommage que j'ai pas acheté ce kit avant de faire mon tutoriel parce que j'aurais pu faire vraiment un tutoriel avec ce kit. Et donc, vous aviez donc le kit était à 15 euros, je crois, au lieu de 30 euros. Donc, il était à moins 50%. Et vous aviez donc un Aqualip de chez Make Up For Ever. Donc, c'est la couleur. C'est la couleur quoi? 8C, donc c'est un rouge très 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 profond. Vous aviez le fameux Moulin Rouge Paris de Make Up Forever, donc qui a un rouge très très soutenu, qui est très très joli, etc. Donc sachant que ça valait super le coup parce que rien que le rouge à lèvres chez Make Up Forever vaut plus de 15 euros. Donc je trouvais que le kit complet, ça valait vraiment le coup. Et enfin, vous avez un Lap Shine Star Collection qui était en couleur S8, donc qui est pareil, un rouge hyper profond. Et ça, ce kit était à 15 euros au lieu de 30, donc ça valait vraiment le coup. Et puis enfin pour finir mes achats à solde, donc j'ai pris ce gloss de chez Givenchy qui était à moins 70%, donc je ne me rappelle plus le prix mais bon il était à moins 70% et il est superbe. Et donc moi je connaissais déjà les gloss Givenchy, j'avais déjà eu deux petits échantillons et je les trouve vraiment vraiment bien quoi. Donc après, il faut savoir que souvent les produits sont soldés. Il suffit qu'il y ait un changement de packaging, une couleur qui n'est pas forcément plus. J'ai envie de dire, s'il vous plaît à vous, qu'est-ce que vous en fichez? C'est à moins de 70%. Et puis enfin, il y avait aussi cette fameuse palette Guerlain Emilio Pucci. Donc c'est la palette Capri, donc la numéro 13, qui est absolument sublime. Et celle-ci, elle était à moins 30%. Donc ça. Et puis n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires en barre d'infos. Actuellement, je porte un maquillage dans les tons orangés. J'ai mis en base l'ombre à paupières émerveillée Illusion d'ombre de Chanel. J'ai mis en coin externe l'ombre à paupières Ébloui Illusion d'ombre de Chanel. En banane, j'ai mis la couleur orange de la palette Emilio Pucci de Guerlain. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres orange de chez Kiko. Et j'ai pris le Perfection Lumière de Chanel et que j'ai poudré avec ma poudre Kiko. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo solde mode qui arrive et des petits bons plans et des petites trouvailles que j'ai trouvées pour les soldes quand on est fauché. À bientôt les filles, au revoir!